La relâche s'en vient et avec la relâche, évidemment, on cherche des activités à faire avec les enfants. J'ai avec moi Lily Gillot, responsable des communications du Musée du Fjord. Bonjour. Bonjour. Alors, pour la relâche, on a des activités extérieures, on a des activités intérieures. Des fois, on se dit, mieux vaut que je prévoie les deux au cas où la température me pousse vers une ou vers l'autre. Qu'est-ce que le Musée du Fjord propose pour la semaine? Bien, d'abord, on est ouvert spécialement le lundi, donc entre 9h et 16h30. Normalement, on est fermé le lundi. Et donc, on va avoir des activités différentes toutes les après-midi. OK. On pourrait revenir 5 fois. sauf le mardi, mercredi, c'est la même activité. Ah, OK. Mais quand même, on propose vraiment une belle variété d'activités en plus de toutes les activités qui sont déjà offertes, donc l'aquarium, le bassin tactile, les expositions temporaires également qui sont à l'affiche. Mais donc, lundi, un atelier de fabrication de glu, donc okay. Avec les enfants, à partir de 13h30 tous les après-midi. Le mardi et le mercredi, c'est l'atelier tout vert qui vient chez nous parce qu'on a une exposition sur les pierres gemmes. OK, oui. Et les familles vont pouvoir fabriquer un petit pendentif. Ils vont pouvoir repartir avec. Il va avoir donc des petites pierres qui vont être fournies, mais ils vont pouvoir quand même en acheter s'ils veulent des dents de requin ou des pierres polies. Ah, donc, ils vont en avoir. Partir avec un souvenir. Ceux un qui peu veulent, mais c'est des frais supplémentaires. C'est bon. Le jeudi, c'est un planétarium gonflable, un planétarium mobile. Et vendredi, bien, c'est Production Serpentin qui vient nous faire découvrir ses différents spécimens puis ses différentes espèces de serpents. Et les plus courageux vont pouvoir même y toucher. Oh, et puis, on disait quand même que les activités habituelles du musée sont quand même là. Donc, oui. Puis, tout ça est accessible à toute la famille, dans le fond. Absolument. Il n'y a pas de limite d'âge ou de... Non, bien, les enfants de 5 ans et moins, c'est gratuit. Donc, même si vous avez un petit poupon dans la famille, c'est pas grave de l'amener pour faire découvrir à vos plus vieux de la famille. Et les prix sont réduits de 25% durant toute la semaine de relâche pour justement permettre à toutes les familles de venir nous voir une ou plusieurs fois. Il y a les cartes d'abonnés également qui sont les cartes annuelles. Donc, on parlerait de combien, mettons, quelqu'un qui voudrait venir une journée avec une famille, juste pour donner une idée du prix, planifier sa journée? On parle de 11,50 $ pour les adultes et de 6 $ pour les enfants. OK. Puis, donc, on le sait, c'est très ludique au Musée du Fjord, tout en étant très éducatif. Puis oui. Là, on peut choisir un peu la journée. Si on a des jeunes qui sont plus passionnés par l'espace, il y a le planétarium. Oui. Puis s'il y a plus, justement, qui aiment les bibittes ou la glu, bien là, on peut comme faire les deux activités. Oui, exactement. Je crois qu'il y a aussi quelque chose d'extérieur qui se planifie avec début de la semaine. Oui, c'est ça. C'est que les deux fins de semaine qui précèdent et qui suivent la semaine de relâche, bien, c'est davantage des animations dans les expositions. Donc, on n'a pas d'activité spéciale les samedi et dimanche. Mais le premier samedi de la relâche, c'est le Carnaval des glaces dans le secteur de Grande-Baie. Alors, le Musée du Fjord va proposer une activité durant l'après-midi, également du samedi 29 février. Donc là, cette activité-là est extérieure? Extérieure. Et le Carnaval des glaces, bien, c'est gratuit, mais bon, il y a des frais pour embarquer avec une voiture. C'est gratuit si vous y allez à pied ou parce avec que c'est au village de... De pêche de Grande-Baie. OK. Donc, ça va ressembler à quoi, l'activité? C'est une activité d'interprétation. En fait, la thématique du Carnaval des glaces, c'est beaucoup sur les bûcherons, les premiers colons et tout ça. Donc, nous, on a une animation avec une Amérindienne. Okay. Donc, qui nous parle de ce volet-là, de la cohabitation et tout ça. Donc, s'il fait beau et qu'on a le goût d'aller prendre l'air, le Carnaval des glaces, le Musée du Fjord va être présent. Exact. Puis, si on planifie, on s'attend à du froid ou qu'on planifie de faire un petit peu de plein air puis qu'en après-midi, on aimerait aller faire une activité, si on veut plus d'informations... Le site web, museedufjord.com, sinon c'est par téléphone, mais notre page Facebook, évidemment, où toutes les informations sont mises à jour. Bien, merci beaucoup, Lily Gillot, d'être venue nous en parler. Plaisir.